Salut à tous, bienvenue sur la chaîne officielle de Mensa Master. Si vous êtes là pour la première fois, alors abonnez-vous pour garder l'actualité sur tout ce qui est comme sortie de téléphonie mobile en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on a au menu le Camon 12R. J'avais déjà eu à présenter le Camon 12 Pro, le Camon 12. Regardez juste en haut où c'est mentionné le bouton d'information. Vous pouvez cliquer pour lire les autres vidéos également. Aujourd'hui, on a au menu le Camon 12R. Le voici qui est juste là, entre mes mains. Le boîtier, voici comment il se présente. Il est encore tout scellé. Voilà, Camon 12R. Toujours Manchester, signé. Camon 12R, le sticker de Techno Mobile. Les caractéristiques sur la mémoire. En arrière également, on a un résumé des caractéristiques ici. En dessous, les informations sur les différents numéros de série du téléphone. Voilà. Voilà, ici, quelques caractéristiques en résumé. Donc, on va procéder au déballage du Camon 12R tout à l'heure. Mais avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas de taper sur la petite cloche. Une fois le protège en plastique retiré, nous allons déballer maintenant le téléphone, le Camon 12R. Dans le boîtier, on a d'abord le smartphone en question, ensuite le numéro de série, le trombone pour ouvrir les 4 SIM, la carte de garantie, un manuel d'utilisation, un protège en silicone. On va essayer de le fixer pour voir comment il se met sur le téléphone. Voilà, voici un aperçu du protège. Un protège également qui renferme, qui protège également les sorties du téléphone, c'est-à-dire la sortie de port jack 3.5 ici et la sortie de câble USB 2.0. Nous avons un anti-choc. Voilà. Cette fois-ci, Techno a bien pensé. Ils ont offert un anti-choc quand même pour pouvoir bien protéger le téléphone. Après cela, on a le boîtier du chargeur. Un câble USB 2.0, des écouteurs. Après le déballage, on va passer à la présentation du téléphone en question. Donc, on retire le protège en silicone qui était inséré. Voilà, attention. Voici comment le Camon 12R se présente. En arrière, nous avons un lecteur d'empreintes digitales, trois caméras qui sont listées comme suit, 16, 2 et 5 mégapixels avec un quadriflash qui existe là. Ici, c'est signé Camon, juste en dessous, c'est signé Techno. Voilà, on n'a plus rien en arrière. Nous avons le bouton de mise en marche et arrêt, la touche volume bas, la touche volume haut. Au-dessus, nous n'avons rien. Sur le côté gauche, on trouve le slot des 4 SIM, donc on va retirer pour voir quel genre de SIM supporte le Camon 12R. Voilà, juste là. Donc ici, on a deux ports de 4 SIM et une carte mémoire. Je tiens à rappeler aussi que le Camon 12R est un smartphone 4G. En dessous, nous avons le port jack 3.5, un microphone qui est là, l'entrée de câble USB 2.0 et une sortie audio. En avant, nous avons une caméra qui est intégrée à l'écran. Voilà. Et je tiens à rappeler que c'est la première fois que Techno fait ce genre de style. Le corner camera qui sont juste à l'angle. Avec un écran full display. Voilà. Parce que tout ça, c'est l'écran. C'est seulement là que se trouve la caméra. Donc moi-même, j'ai jamais vu. J'ai essayé de mettre en marche également. C'est la première fois que je vois ça sur Techno Mobile. On va voir ensemble à quoi ressemble cette nouvelle façon de positionner la caméra chez Techno Mobile. Donc ici, on remplit directement les caractéristiques basiques du téléphone. Donc voici un peu comment le Camon 12R se présente. Voilà, on l'a mis en marche. Côté fonctionnalité, on va voir ensemble. Le Camon 12R est un smartphone Android basé sur la version Android 9P, mais il a été personnalisé par Techno avec leur système d'exploitation iOS, ici, version 5.5.2. Côté RAM, il a 3 Go de RAM, il a 32 Go de mémoire interne, il a une caméra avant de 8 mégapixels, ici, voilà la caméra qui est là. C'est la toute première fois que Techno fait sortir un smartphone avec une caméra
à l'angle. Et c'est vraiment joli. Moi, je trouve ça très, très chic. C'est très intéressant. En arrière, on a, comme j'ai eu à le signifier, on a trois caméras de 16, 2 et 5 mégapixels. Il a un processeur quad-core qui est cadencé à 2 GHz. Il a une batterie de 4000 mAh. Il a une résolution également de 720 x 1600. Il est Android 9P. Ouais, c'est vraiment chic comme positionnement de caméra. Franchement, moi, j'apprécie très bien. Il a un écran de 6,55 pouces qui est vraiment light et à un prix très très abordable. Je vais mentionner en commentaire le prix recommandé par Technomobile pour ce smartphone-là. Franchement, c'est intéressant. Moi, je l'apprécie bien. J'apprécie bien ce design par rapport au Camon 12 et Camon 12 Pro. Et là, le positionnement de la caméra me. Je kiffe quoi. Je kiffe sur le positionnement de la caméra. Franchement, même si les caractéristiques ne sont pas à la hauteur de Camon 12 et Camon 12 Pro, qui sont plus performants que lui, parce que les autres ont un processeur octa-core. Lui, c'est un quad-core. Il a des fonctionnalités basiques, mais je le trouve chic quand même. Son lecteur d'empreinte digitale est là. Contrairement au Camon 12 Pro qui a son lecteur sur l'écran. Voilà, il est doté également d'une reconnaissance faciale pour renforcer votre sécurité. Voici un peu présenté le Camon 12R. Il le trouve très fashion, il le trouve très classe. Il n'est vraiment pas lourd aussi. Super léger. Je kiffe. Rien à dire, je kiffe simplement. Il est magnifique pour moi. Je vais faire une vidéo de comparaison entre les différentes versions de Camon. Camon 12 Pro, Camon 12 et Camon 12R. Tout en espérant vous revoir sur mes prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. C'était Mensa Master. Au revoir.